Ça fait des années que j'attends cette sortie, j'en ai pas dormi de la nuit. Oh là là, c'est un missile hein. Ah, il est bon, c'est un missile Scud. Oh, il y en a partout. Tiens-toi, c'est la guerre. Vous mettez la pression, les mecs. C'est pas bon, là. On sait jamais. Oh! Allez, viens! Allez, viens! Pas trop de frein, pas trop de frein, tranquille. Je vais venir. Allez, je vais te mettre en combat et je vais te mettre. Oh, la Tenryo qui plie, les mecs! Je t'occupe pas de moi. Fais attention, il va te mettre un rush. Hein. Mets-toi bien devant, mets-toi bien là-bas. Voilà. Il va te faire du droit, de gauche, droit, de gauche. Je vais te mettre. Est-ce que tu veux un baudrier? Non. Pas de baudrier? Pas pour le moment, merci. Voilà. Mets ta main un peu plus haut, mets ta main un peu plus haut en combat. Ça veut dire que. Voilà, ta main droite là. Je pense qu'il va te faire du droit, de gauche. Hein. Tu décroches le pied, tu dis je suis avec le gars. Ça doit être trop. Waouh! Ah, c'est la folie, les mecs! Tu veux que je le rappelle? Non, c'est pas chouette. Non, laisse tomber, moi. Eric, écoute-moi. Ouais. Ta main droite, mets-la plus haut. Fais attention, voilà. Voilà, tu pourras mieux comme ça, mon pote. Oh, ça déroule, hein! Je sers pas plus, mon frère. Non, pas plus. Méfie-toi qu'il va te faire du droite, gauche, d'accord? Ouais. Que tu sois bien à l'avant. Je suis déjà essoufflé. Tu même pas plus de frein. On va jamais guider les 300 mètres, t'inquiète. Tu veux pas te boudrier, tu es sûr? Ouais, pour le moment, c'est cool. Allez. Tiens. Merci. Comme je te dis, moi, tu peux pas te caler devant. Tu m'as si, dit si, ton bras. Ah ouais, mon bras, je peux pas le mettre plus haut, il est cassé. Si tu es en difficulté, tu me le dis. Faut surtout pas que le boudin touche la tresse. Parce qu'au démarrage, okay. Ça coupe le boudin. Ok. Quand t'es en difficulté, tu me le dis. Pas de problème, à ce niveau-là, ça devrait aller. Allez, c'est bon. Il va venir au bateau, il va te mettre un rush. Ok. Je te le dirai. Et surtout, il va te faire du droite, gauche. Donc, constamment, tu vas être à tourner comme ça. Là, ça mérite une photo, là, non? En plus, il y a du tannerie ou un noir, mais... Il a combien, tu penses, en dessous, là? Tu as 20 mètres. Avec lui là. Vas-y mon, attends, petit sourire. Attends.
Je suis pas bien moi là ici, je préfère être là. Je préfère être là, ouais. Mais il faut pas que t'ailles derrière, il faut pas que tu le suives. C'est pas à lui, c'est à toi de... C'est... Il faut pas que t'ailles derrière surtout. Tu vas le contrer, il va revenir. Si t'es en difficulté, tu me dis. Voilà. Je sais que t'es fatigué, mais... Ouais. Mais toi, il vaut mieux que tu te mettes debout mon pote, crois-moi. Parce que tu peux avoir une surprise. Si t'en peux, tu me dis. T'inquiète, il n'y a pas de mal, c'est ton premier poisson, c'est normal. J'ai une heure de sommeil, ouais. Ah mais t'inquiète, moi même 10 heures de sommeil avec ce poisson, je te garantis que... Il va revenir, il va t'en remettre un. Dès qu'il va voir le bateau, dès que t'en peux plus, je suis là, tu me dis. Il est là. Allez. Surtout quand tu vas arriver, il faudra bien que tu écartes le poisson du bateau. T'as vu ? C'est bien mon pote. On va le monter. Son premier poisson, on va le monter. Non ! Il a lâché. Sans déconner. En plus, t'as fait tout le boulot quoi. T'as non. Non, pas de soucis, il a décroché. Il a juste décroché. C'est pas grave. Arrive, hein. c'est merci ça. Mec, il était joli. De toute façon, tu connais la pêche. T'as pas trop de freins. Je suis mort. Je vais te dire un truc, il a été super gentil celui-là. Franchement, il a été super gentil. Ah putain. Je te jure qu'il a été très gentil. Les seules images du thon, ce sont celles-ci quand il s'est décroché au bateau. C'est pas grave, l'essentiel est là. Comme vous pouvez l'entendre, je suis vachement essoufflé. Pourtant, je sors énormément de silures en été ou de carpes. Je pensais être au top de ma forme, mais pas du tout. Il y a une remise en question, là. Non ! Putain, c'est beau de les voir comme ça. Ouf. Oh. Désolé. Ah je disais c'est pas possible, là. Je vais striker haut ça mais. Ça c'est bon. Ah, je crois qu'il y a une vache les gars. On veut d'un. Je pense qu'on va pas rectifier. En plus, t'as la raide. Hein. Ouais. Ça empêche pas en même temps que lui, du coup. Ouais, à mon avis, sur ton leurre. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Bon, prépare-toi à aller trop volant, je pense là. Oh putain. Ouais, je pense qu'il y a une vache. Il y a une vache. Qu'est-ce qui t'arrive, Martin? Il lui a pris là, il allait lui prendre en face du bateau. Ah merde. Ah, c'était chaud là. Je vais avoir besoin de Eric. Dis-moi. J'arrive. Viens, 2 secondes, Eric. Prends la canne. 2 secondes. Non, non, je vais enlever ma veste et tout. Vas-y. Vas-y, travaille un peu dessus. Bon, il lui a tapé dedans. Ah, il lui a remonté plusieurs fois. Comme ça. Eh, regarde, mon pote. Je suis plus petit avec un malice. Mais je pense qu'il y a une vache. L'avantage, Martin, du simple, c'est quand ça pique, ça fait bien. Je vais chercher la pince, Eric. Ça va, t'es pas en difficulté. Oh, je suis au top là. Il va revenir comme un enfoiré. Viens, ta pince, elle est là. Quand ouais. Tu vois que c'est facile comme ça, Eric, profite-en. Ouais. On récupère un max de trucs. C'est ce que je fais, les mecs. On récupère un max de trucs. Ouais, dis-moi. Ouais. Ouais, je pense, parce que là, s'il vient comme ça, c'est qu'il va repartir comme un enfoiré. Voilà, ils étaient pas vivants. Tu veux le harner? Tu veux le harner ou quoi? Non, c'est bon.
Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Ouais. Tiens, prends la canne, gros, non ? Dépêche, dépêche. C'est bon. C'est bon. C'était une super journée, mine de rien on arrive à toucher deux poissons. Cette vidéo a été tournée une semaine avant le début du confinement. J'ai refait deux sorties juste après ça. Les vidéos arriveront prochainement. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. Je tiens à remercier Mohamed Fishing, un youtubeur que je suis depuis quelques années sur YouTube, qui fait du très bon contenu, beaucoup plus qualitatif que quantitatif. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, le lien dans la description. Et je tiens à remercier également Mourad le capitaine, Mourad qui connaît bien son secteur, sa pêche. N'hésitez pas à le contacter, les liens sont dans la description. Il saura vous conseiller où pêcher, avec qui pêcher, quel guide choisir, que faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. À très vite.